Pardon, avec plaisir. Le bureau des hommages. Santé. Enchanté. Des bonnes manières. Faites seulement, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue, le thème du jour, chez ses grands-parents. Chez ses grands-parents, vous serez d'accord avec moi, souvent, on s'ennuie. Puis après, on a vu ce reportage en France sur les crustacés dans les marchés. On peut même sévèrement s'ennuyer. Avec un petit motif d'ange. C'est important, tenez le coup. Odette et Mireille sont venues manger la fondue dimanche à midi. Lorsque vous êtes chez vos grands-parents, il est important d'adopter un comportement qui leur est contemporain. Oh putain, la gueule que vous tirez, quoi. Eh, je vais mettre ça sur Face, hein. I like. Il est important aussi d'éviter certains sujets. Ouais. Puis au niveau de l'héritage, ça se passera comment? Vous faites des soirées entre amis ou ils sont tous morts? Vous baisez régulièrement? Chez ses grands-parents, parfois la musique n'aide pas vraiment. C'est chiant ça! C'est dans quel film? Chopin? Pas vu. Soyez donc très conciliants. Attendez, je vais mettre une musique à moi. Kikirou finit par avoir raison! Kikirou finit par avoir raison! Et respectueux. Hé, hey, grand-maman! Un petit lap dance! Lorsque vous discutez, ne vous éternisez pas dans des conversations inaccessibles aux personnes du troisième âge. Puis après, quand je lui ai dit d'aller voir son Facebook pour voir s'il n'avait pas un poke ou un inbox, je peux vous dire qu'il n'a pas liké, quoi. Epic fail! Tâchez également d'éviter certains téléphones. Au point de croix? Ah, ça devait être joli, hein. Ouais. Allô? Oui, bonjour, c'est l'EMS, le dernier soupir. Oui, bonjour. Je vous appelle concernant l'inscription. Oui. Notez pour terminer que l'humour des personnes âgées n'est pas le même que le vôtre. Alors, c'est un cardiaque qui rentre dans un bar. Elle... Ah! Oh, sa mère! Oui, excusez-moi, c'était pour une 4 fromages, s'il vous plaît. Voilà, merci.